Arnaud, Rallye des routes Picardes, première édition pour toi ? Non, pas la première édition, on avait déjà couru depuis quelques années avec la 106. Et là, c'était une remise en route, redécouverte de la 205. Et un rallye qui avait un petit peu changé par rapport aux années précédentes. Donc voilà, on a passé un bon rallye, un bon week-end et c'est ce qui comptait. Et la 205, ça commence à devenir à ta main là. Ouais, ça commence à venir, on commence à prendre son pied, on commence à comprendre un peu les subtilités du châssis, du moteur, de la boîte à crabeaux, et puis ça commence à venir, donc je pense que c'est encourageant pour la suite. Ton prochain rallye, ça serait quoi ? Alors là, c'est la grande question, au programme ça serait Béthune, suivi du Charlemagne, mais on est en train de réfléchir à voir si on continue ou si on va sur d'autres rallyes un peu hors région. C'est un beau programme ça, Béthune et Charlemagne. Ouais, deux beaux rallyes, ce sera surtout la première fois pour moi au Charlemagne. Lucas, premier rallye avec Arnaud, alors comment s'est passé ton rallye ? Très bien, Arnaud m'a bien écouté, on s'est bien écouté, on a passé un bon rallye. Rien à dire dans l'ensemble, des belles spéciales, franchement très très bien. Qui est-ce que tu peux remercier ? Je pense que ton père te soutient fortement derrière. On peut le remercier aussi pour tout ce qu'il a fait pour le rallye du Touquet. C'est une petite parenthèse que je fais. Si tu nous entends, merci. Ouais, je voudrais bien remercier mon père qui est derrière moi, mes parents, ma sœur, mon beau-frère, puis tous mes sponsors derrière sur le côté, Alexis Fruitry, et puis remercier Contact qui nous offre l'essence, Contact Campagne Les Édins. Je voudrais franchement lui remercier et puis remercier Alex Fruitry, un grand merci. Merci à vous, puis on essaie de se voir au rallye du Béthunois. Yes, bah on se revoit au rallye de Boulogne. Ah, d'accord. Merci à toi Greg. Merci Greg. Salut. Yes.